Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel consacré à X-Particles. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un effet de désintégration avancé sur n'importe quel objet grâce à XP Infecto, comment mettre votre simulation en cache pour optimiser votre projet, et enfin nous verrons comment appliquer une texture sur vos particules avec Octane Render. Alors dans Cinema 4D, vous commencez par importer n'importe quel objet, celui que vous voulez. Moi j'ai choisi la statue romaine de Quixel Megascan. Je l'ai pris en LOD0 pour pas que ce soit trop long pendant la vidéo. Voilà, qu'il n'y ait pas beaucoup de polygones sur l'objet. Donc on va commencer par regarder comment est-ce que j'ai créé cette simulation, la désintégration de cette statue. Donc là ce qu'on veut pour la première étape, c'est remplir notre objet de particules. Alors pour ça, moi j'ai utilisé X-Particles. Donc on va commencer à aller sur Incidium en haut, X-Particles, XP System. Donc là vous avez un nouveau système qui s'est créé. Il y a plein de choses qu'on verra après. On va commencer par cacher notre statue et cliquer sur XP Emitter ici. Donc là de base, on a un XP Emitter qui est un carré comme ça, qui génère des particules. Nous ce qu'on veut maintenant, c'est que ces particules, ce soit notre objet qui les génère. Donc pour ça, on va aller dans XP Emitter, Objet, et on va changer Rectangle par Objet. Ensuite, on va cliquer sur notre objet et on va le glisser dans Objet. Donc là, si on fait ça et qu'on clique sur Play maintenant, hop, c'est notre objet qui génère, notre statut qui génère des particules. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que nos particules ne bougent pas. Vous voyez, là, elles partent un peu dans tous les sens. On veut qu'elles ne bougent plus. Donc, on va dans Émission, ici, Speed, et on va mettre le Speed à 0. On va recacher la statue. Là, si je clique sur Play, voilà, c'est notre statue qui génère des particules. Alors là, c'est très mal réparti, vous voyez. Pourquoi? Parce que vous voyez, hop, par rapport au polygone qu'on a sur la statue, il y a plus de particules là où il y a plus de polygones. Donc c'est mal réparti. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur XP Emitter, Objet, Polygon Center, et on va le changer en Objet Volume. Et en plus, là, ce qu'on a actuellement, c'est que sur la surface de notre objet. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment soit à l'intérieur. Donc là, on va aller dans Objet Volume. Si je repasse sur Play. Voilà. Donc là, on a vraiment des particules qui sont générées à l'intérieur de notre objet. Alors là, on voit pas très bien à quoi ça ressemble, parce qu'on n'a pas beaucoup de particules. On peut aller dans Émission, et en fonction de l'ordinateur que vous avez, hein, vous pouvez changer, on va mettre à 100 000, allez, directement. Si je clique sur Play, voilà. Donc là, on a vraiment, on voit que ça prend la silhouette de notre objet, voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce soit généré d'un coup. Parce que là, on voit bien que c'est au fur et à mesure que les particules arrivent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans XP Emitter, Émission, on va changer le Rate en Shot, on va laisser 1 et 1 ici, et on va remettre 100 000 comme tout à l'heure, et là, si je clique sur Play, hop, on a nos particules qui arrivent directement. Voilà, donc c'est ça qu'on veut. Là, maintenant, alors évidemment, après, on peut changer peut-être... On va laisser à 100 000 pour l'instant. Donc là, on a notre objet qui est rempli de particules. Maintenant, ce qu'on veut... Là, pardon, c'était mon OBS. Là, ce qu'on veut pour la deuxième étape, c'est que nos particules se désintègrent de haut en bas. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui utilisent la Vertex Map. Moi, j'ai utilisé donc dans les modifiers... Hop, un modifier qui s'appelle XP Infectio ici. Donc vous créez un XP Infectio, vous cliquez sur New Add New Seed Object. Alors là du coup ça nous a créé une petite sphère qui est ici, on la voit pas trop, elle est un peu petite, vous pouvez la changer à 30 cm par exemple. Donc là XP Infectio, à quoi ça sert? On va pouvoir choisir un endroit de notre objet, n'importe lequel. Alors moi j'avais choisi le début de l'objet ici en haut. Et quand on va cliquer sur Play, en fait, ça va infecter les objets à partir de cet endroit-là et ça va donc se répandre sur tout l'objet. Donc là, c'est très long. On peut changer ici dans Search Radius 30 cm. Ça va aller chercher des particules un peu plus loin. Voilà. C'est pas mal. Après, vous pouvez choisir le nombre de particules à chaque fois maximum qui sont infectées.
pouvez aussi choisir combien de temps vont vivre les particules qui sont infectées. Par exemple, si je mets 50, bah, toutes les particules qui sont infectées après 50 frames, donc ça va commencer à partir de 50 ici, hop, elles vont disparaître. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça pour faire disparaître un objet. Là, on va laisser 300. Donc là, voilà, vous changez, c'est comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous voulez comme, comme simulation. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et là, vous pouvez créer plusieurs seeds. Vous pouvez créer un deuxième seed et le mettre en bas, et du coup, ça va vous infecter les particules d'en haut et d'en bas, et ça va arriver voilà, vers le milieu après. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, maintenant, on a créé notre simulation de haut vers le bas. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que les particules partent sur le côté. Voilà, il y a plein de choses que moi j'avais faites avec du vent, des turbulences, etc. pour que les particules soient un petit peu poussées comme ça sur le côté. Donc là, pareil, c'est dans les modifiers. On va aller dans XP Wind. Voilà, on va créer un nouveau XP Wind, donc du vent. On va le mettre sur le côté comme ça, par exemple. Et là, si je clique sur play, alors on va mettre un peu moins de particules pour que ça aille un peu plus vite. On est à 50 000, voilà. Donc là, si je clique sur play, hop, ça pousse toutes mes particules. Voilà. Mon vent pousse toutes les particules. Là, ce qu'on veut, c'est que ça ne pousse que les particules qui sont infectées, les rouges. Donc là, pour ça, on a un système dans XP Infectio, c'est les groupes. Alors là, dans Color Mode, dans Fixed Value, on va changer en Use Group. On a un groupe de chaque, un groupe pour les particules infectées et un groupe pour les particules incubées. Et incubées, c'est les bleus, voilà, ça nous indique les prochaines particules qui vont être infectées. Donc là, on va pouvoir créer des groupes. Donc là, on va créer Add Group ici. Hop. On va recliquer sur XP Infectio, Add Group. Donc là, ça nous a créé deux groupes qui sont de la même couleur que nos particules. Alors là, groupe 2, c'est, on va les renommer, hein, Infected et Incubate. On va les glisser dans groupe ici pour que ce soit sémantiquement plus correct. Donc là, nos groupes, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on va pouvoir gérer le speed et le radius de nos particules pour chacune d'entre elles. Par exemple, alors je vais enlever le vent pour l'instant. Par exemple, là, toutes nos particules sont pareilles. Vous voyez, si dans mon groupe rouge infected, je veux mettre 150 de speed pour mes particules, ben vous voyez, ça va infecter. En fait, je peux changer les settings pour chacune de mes types de particules. Donc, c'est à ça que ça sert. Voilà. Maintenant, moi, je vais quand même tout laisser. De base, j'ai touché à rien, de base. J'ai laissé comme ça. Hop, on va remettre notre vent. Alors pourquoi j'ai créé ces groupes du coup? Parce que maintenant dans mon XP Wind, j'ai un onglet qui s'appelle Group Affected. Et je vais pouvoir glisser mes deux groupes. Et ça va dire à notre vent qu'il doit pousser que les particules qui sont infectées et incubées. Donc maintenant si je clique sur play, vous voyez, hop, voilà. On a notre vent qui pousse uniquement nos particules infectées au fur et à mesure. Donc là déjà, on a notre simulation. On a notre simulation, après c'est à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous voulez rajouter. Par exemple, moi je vais vous mettre ce que moi j'avais fait. Alors j'avais fait standard, je les ai notés à côté parce que je les ai plus en tête. Moi j'avais fait quelque chose un peu dans ce style là, j'avais mis 150, 30, 80, 100, et j'avais créé une deuxième turbulence en turbulence 110 et 1. Voilà, donc ça c'est à peu près le setting que moi j'avais pour cette vidéo là. Donc j'avais créé deux turbulences et un vent. Alors évidemment, faut pas oublier à chaque fois de remettre les groupes à l'intérieur. Voilà. Donc là, si je clique sur play maintenant, hop, voilà, ça part un petit peu, voilà. On est pas mal.
Ce qu'on va peut-être changer mon seed par rapport à ma hop. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, un petit peu, pas tant que ça. Voilà, c'est à peu près ça que moi j'avais mis. On va remettre un petit peu plus de particules 150 000 pour voir un peu ce que ça donne. Alors évidemment, plus vous allez en mettre, hein, plus la simulation va être longue. Voilà, là ça part un petit peu. On va peut-être changer ça. On va peut-être mettre 20, que ce soit un petit peu moins. Voilà. Qu'on laisse le temps que ça parte. Hop, on va mettre 150 frames. Voilà. Donc là, voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez jouer avec les turbulences, les vents. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment rendre les particules dans Octane. Donc là, vous allez ouvrir votre rendu Octane. Tac. On va cliquer sur rendu. Et là, il n'y a rien. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit au début, mais je ne vais pas vous montrer comment j'ai refait la lumière, etc., les textures, les statues derrière, etc. Non, ça, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire comme scène. Moi, j'ai juste fait un petit plan avec 2-3 lumières dessus. Pour vous montrer comment ça marche. Là on n'a rien. On a du coup dans notre XP Emitter, on fait un clic droit, extension, octane tag. Voilà. On va créer un octane tag sur XP Emitter. On va aller dans Particle Rendering et on va cliquer sur géométrie. Là, si je fais play, alors là, si je fais play, ça marche, mais la taille des particules que vous voyez ici, c'est la taille des particules qui est dans notre XP émetteur là, 3 cm. Vous voyez, si je change par exemple en 5 cm, faut que je refasse la simulation par contre. Vous voyez, là, elles sont plus grosses, donc ça prend en compte ce paramètre là. Moi, ce que je préfère pour pouvoir avoir plusieurs types de particules différentes, plusieurs tailles, etc. c'est créer moi-même la particule avec, par exemple, une sphère. Donc on va créer une sphère, on va la mettre à 1 cm, par exemple. Pardon. 1 cm. Et on va la glisser ici dans notre particule rendering géométrie. Hop, on va la glisser ici. Alors là, on voit pas trop la différence si je fais 0,5. Voilà, vous voyez, là je peux jouer avec la taille de ma particule, 0,2, voilà, etc. 0,4, ça va changer directement de particule. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut dupliquer notre sphère, mettre une sphère à 1, la glisser aussi à l'intérieur, et là on va avoir deux types de sphères différentes. Alors là, on va plutôt, ça se voit pas trop, mais voilà, ça va mettre les deux types à l'intérieur, ça va les mélanger. Donc là, vous voyez, on commence déjà à avoir quelque chose d'intéressant. Par exemple, là, si je clique sur play et que j'attends un petit peu. Voilà, je vais refaire mon rendu. Voilà, vous voyez, là, on a dans Octane nos particules qui sont rendues avec la simulation, etc. Donc là, maintenant, on a notre statut qui est bien avec nos particules. Alors on va pouvoir mettre de plus en plus, évidemment. Là j'ai mis 150 000. Je sais pas, on va pousser un petit peu. On va mettre 500 000. Évidemment 500 000 ça va être très très long. Vous voyez, on n'est plus du tout en temps réel. Hop, voilà. Donc là déjà on a fini de remplir notre objet de particules et on a fini notre simulation. Maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est important quand vous avez énormément de particules. C'est ce qu'on appelle le XP cache.
Alors le cache c'est quoi? Alors on va le mettre tout de suite. X particule, XP cache. Donc ça, pour vous dire à quoi ça sert en vrai, je vais mettre 10 000 particules. Donc là si je fais play, on a les simulations qui se rend. Voilà. Bon, je vais en mettre un petit peu plus, pardon. On a notre simulation qui se rend, il n'y a pas de problème. Et vous avez vu que tout à l'heure, si on met 500 000 particules, 1 million de particules, ça va être très très long. Le truc, c'est que si je clique pas sur play, là je suis à 0, si je clique sur 35, vous voyez, si je clique sur 80, 100, il ne se passe rien, vous voyez, ça fait un peu n'importe quoi. Si je clique sur play, que je laisse 30 frames et qu'après je clique, vous voyez, ça fait, voilà, ça casse un peu notre simulation. On ne peut pas aller sur la timeline où on veut. Pourquoi? Parce que l'ordinateur n'a pas les données. Si je clique sur 0 et que je vais à 110, ça ne marche pas parce qu'entre 0 et 110, l'ordinateur ne connaît pas les données des particules, où est-ce qu'elles sont, où est-ce qu'elles se déplacent, etc. C'est noté nulle part. C'est à ça que va servir le XP cache. Le XP cache, on va aller choisir un dossier. Alors, là, scène. J'ai fait un truc tutoriel, XP cache, voilà. On va choisir un dossier, n'importe lequel, et on va cliquer tout de suite sur Build Cache. Alors, normalement, il n'y a pas trop de particules, ça ne va pas durer trop longtemps. Alors, si vous mettez 1 million, 2 millions de particules, ça peut durer une petite demi-heure en fonction de votre machine. Donc là, on va juste laisser quelques secondes le temps de le calculer. Donc là, dans le dossier que j'ai choisi, il va y avoir, là j'ai 150 frames, il va y avoir 150 fichiers. Avec chaque fichier va être une frames avec les données des particules. Là maintenant que le XP cache est fini, vous voyez là, ça s'est mis en rouge ici et en rouge ici, donc là ça veut dire que là c'est bon, c'est fini. Et si je clique sur ma timeline, hop, là maintenant je peux voir à tout moment où sont mes particules. Voilà. Donc le XP cache, il sert à ça. Il sert à déjà de base, voilà, là, si je clique sur play, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'il a déjà les données. Et en plus de ça, si vous voulez aller voir directement où sont vos particules à la frames 115, et ben vous pouvez cliquer, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est très important. Moi, j'utilise beaucoup et c'est vrai que c'est très pratique quand vous avez des grosses simulations. Et en plus de ça, pour le rendu, pardon, ça va être un petit peu plus rapide pour votre rendu. Donc maintenant que je vous ai montré ça, on va pouvoir... on va désactiver le XP cache. On va se remettre à 150 000 particules par exemple. Et on va remettre notre rendu. Donc là, on a notre rendu. Et maintenant, ce qu'on veut, dernière étape, c'est de texturer notre statue. Parce que là, on ne voit pas trop parce que j'ai désaturé, mais ma statue est texturée. J'ai utilisé la texture de Quixel Megascan qui m'était donnée avec. Donc ça, c'est la dernière étape, et malheureusement, on ne peut pas le faire avec notre XP emetteur qui est là. On va devoir en créer un deuxième. Alors, on peut le dupliquer. Hop, on duplique notre XP emetteur. On va mettre... intérieur. Intérieur-extérieur. Pourquoi ? Parce que ça va être nos particules donc, qui sont là, à l'intérieur de notre objet. Et on va créer donc ce deuxième XP emetteur où on va faire des particules, on va créer des particules qui vont juste faire la surface de notre objet pour créer, pour mapper la texture dessus. Donc là, on va désactiver celui-là. Hop. On va fermer ça. Donc là, on va jouer sur notre extérieur. On va changer quelques paramètres. Donc objet, on va mettre, on va changer objet volume en texture. Et là, quand on va cliquer sur texture, hop, il y a des nouveaux onglets qui vont apparaître ici. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ces particules-là, elles soient texturées, qu'elles prennent la texture de notre objet. Donc là, vous avez vu, quand j'ai cliqué là, c'est plus à l'intérieur, c'est juste la surface de l'objet maintenant. On voit pas trop, mais ça prend juste la surface de l'objet. On n'a plus de particules à l'intérieur pour cet émetteur-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une texture. Alors, je les ai créées là. Je vais les supprimer pour le refaire avec vous. Donc, on va faire un double clic pour créer une texture C4D et non pas octane. Hein. Faites une texture C4D.
On fait un double clic, on va dans couleur et on va mettre notre diffuse à l'intérieur. Alors là, moi je l'ai mis voilà, texte. Donc ça c'est la texture de la statue. On clique sur OK. On a notre texture. Alors le reste, bon, tout ce qui est normal, etc., je le mets pas. C'est, vous le ferez comme vous voulez. Et on va glisser notre texture sur notre statue. Donc là, on a notre statue qui est texturée. L'objet est texturé. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est que ce soit pareil pour les particules. Donc là, on va aller dans XP extérieur. On va aller dans texture. Et on va glisser notre texture d'ici jusque là. Hop. On ne change rien. On laisse ça comme ça. Et là, maintenant, si je cache... Hop. Tac, vous voyez, les particules ont pris la texture de mon objet. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, le problème, ce qu'il faut faire, c'est que ce soit rendu dans Octane. Là, vous voyez, c'est toujours blanc. Il n'y a pas de... Comme c'est une texture C4D, c'est pas rendu dans Octane. Alors là, on a un petit nœud qui est très intéressant dans Octane. On va créer une texture Octane. Hop. Double clic. On ouvre le node editor. Hop. Et là, on a un nœud qui s'appelle instance. Instance color, voilà. Instance color, on va le glisser sur notre diffuse. Et dans instance color, on a file et particule. On va cliquer sur particule et on va glisser notre XP extérieur ici. Et normalement, voilà, ça prend la texture. C'est un peu pixelisé, mais bon, voilà. On voit que ça a pris la texture qu'on avait mis ici, qui est celle de la statue. Maintenant, si on glisse notre texture octane sur nos particules, pas sur l'XP système, sur les particules, voilà. Hop, alors attendez. Je vais vous montrer après pourquoi est-ce que c'est rouge et bleu. Mais là, on a notre texture octane qui est mappée sur nos particules. Alors là, c'est un peu sombre. Après, ça, pareil. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec, mais là, juste pour changer un peu, vous voyez, par exemple, saturation, on change, moins de gamma, plus d'exposition, enfin, après, voilà, c'est à vous de voir. Là, c'est juste, voilà, c'est un peu mieux, on voit un peu mieux. Alors, vous voyez, pourquoi c'est rouge et bleu? Ça prend la couleur de nos particules infectées et incubées. Alors là, on peut aller dans nos groupes, sur le côté, et dans Color Mode, on va aller dans Use Shader. Et là, si je remets, voilà, et là, si je re-rends, ça a pris la texture de l'objet. Voilà, donc là, on a notre statue qui est texturée, avec des particules uniquement sur la surface. Donc là, si je fais play, vous voyez, c'est que sur la surface, il n'y en a pas à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a notre deuxième XP, là, émetteur, qui est à l'intérieur. Et là, si je clique sur Play, on vous remettez le deuxième XP émetteur. Donc là, forcément, c'est un peu long parce que j'ai pas mis en cache. Et là, hop, on va se mettre à 50, 60. On va regarder un peu ce que ça donne. On n'a pas beaucoup de particules pour l'instant. Voilà, donc là, un statut, elle part bien en désintégration. Donc là, c'est par rapport à ce que moi j'ai fait, on a fini. Alors là, moi, évidemment, moi j'ai mis plus de particules. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux XP émetteurs. On va mettre 1,5 million de particules pour chaque. Et je vais lancer la simulation en cache. Alors là, ça va prendre un peu de temps, je vais couper la vidéo. Mais je vais lancer le cache et on va se retrouver après pour voir ce que ça donne avec 1,5 million de particules. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, alors le cache est fini, ça m'a pris à peu près 30 minutes et 18 Go d'espace disque.
Voilà, on est à peu près sur la même animation. Après, c'est à vous de voir jouer avec. Il y a plein d'autres modifiers avec lesquels vous pouvez jouer. Donc voilà, donc avec tout ce qu'on a vu là, donc XP Infectio, avec le cache et avec le texturing Octane via X-Particle, bah voilà, vous avez. Ah, on va se mettre un petit peu plus loin, on va regarder. Ouais, voilà, c'est pas mal. Je pense que là, on est pas mal par rapport à l'original. Ouais. Voilà, donc voilà, avec tout ce que je vous ai montré, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir recréer ce genre d'effet. Alors, je rajoute un petit élément que j'ai oublié pendant l'enregistrement. Lors de ma simulation, vous voyez que la statue, elle a un aspect un peu low poly avec des lignes un petit peu cubiques comme ça. Il y a deux solutions. Moi, dans ma vidéo, j'ai utilisé le modèle High Poly de Quixel Megascan. Mais là, sur cette image, ce que j'ai fait, c'est que j'ai subdivisé l'objet avec une surface de subdivision dans C4D. Vous rééditez l'objet et ensuite, bah, vous relancez votre simulation. Et comme il y aura plus de polygones, forcément, bah, on aura plus de détails et vous voyez que ça corrige très bien les effets de lignes qu'on avait sur notre objet original. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tutoriel et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur X-Particles.